هذا المكان العلمي والتعلمي هذا نتمنى أن تستفيدوا من درس السيدة سلطاوي عائشة إكرام استفادة عامة استفادة خاصة أيضا خاصة مع مناهج الجيل الثاني. ستعرفكم السيدة عن وضعية هامة وهامة جدا هي الوضعية الانطلاقية الأولى. مرحبا كل الزهلك مسيج. Salut tout le monde, mesdames et messieurs, chers enseignants, en nom de notre inspecteur, et par vous souhaiter la bienvenue. Nous devinons combien de temps et d'énergie vous avez investi, mais nous avons qu'un seul objectif, vous animer, vous porter, que les enfants se souviennent longtemps de ces jours. Pour cela, nous vous disons merci. Merci. Nous allons vous présenter une activité sur l'association Problème de départ. Enfin, je terminerai notre discours par la lecture d'un poème dédié à tous nos enseignants. C'est l'anniversaire de mon petit frère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Alors, le jour de l'anniversaire, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on va faire, Inès? On va préparer un gâteau. Très bien, on va préparer un gâteau. C'est quoi l'anniversaire? J'ai pas dit donnez-moi une fête. Oui?
L'anniversaire, c'est la fête. Très, très bien. Applaudissez votre camarade. Bravo. L'anniversaire, c'est la fête. L'anniversaire, c'est la fête. C'est-à-dire, dans ce projet, dans le projet numéro 2, on va voir beaucoup de fêtes. Mais on a une chose à faire. Alors, pour arriver à cette chose-là, on doit suivre 3 étapes. Quelles sont ces étapes? 1. On doit préparer à la fin, posez les mains, une carte de vœux. Très bien. L'étape numéro 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va décorer notre classe. Par exemple, on va fêter l'anniversaire dans notre classe. Alors, on a besoin de quoi? On a besoin de décorer notre classe, préparer des chapeaux, des décors, des ballons, etc. Numéro 3, on va faire quoi? On va écrire quoi? Qui peut lire? Asma? Une affiche. Très bien. Alors, on va arriver là. À la fin du projet, qu'est-ce qu'on va réaliser? On va réaliser une affiche. Une affiche sur quoi? Une affiche de quoi? Une affiche de vœux. Une affiche de vœux? À peu près. Une affiche de mon frère. Une affiche de mon frère? Je vais afficher mon frère ici? Non. Allez, d'autres. Une affiche de quoi, Inès? On va faire un dessin. Un dessin, d'accord. Mais l'affiche de quoi? L'affiche de quoi? L'affiche de... Très bien. On va afficher une grande affiche d'anniversaire. À la fin de ce projet, je vais fêter un anniversaire de l'un de vos camarades. Qu'est-ce qu'on va faire? Une carte de vœux, des décors pour notre classe et à la fin, on va afficher une grande affiche pour inviter nos camarades, nos enseignants, etc. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, est-ce que vous connaissez d'autres fêtes? Est-ce qu'on connaît d'autres fêtes? Nesrine. Le nouvel année. Le nouvel année? Corrige. Le nouvel an. Le nouvel an. Très bien. Le nouvel an. Le nouvel an à Mézir. Le nouvel an à Mézir. Très bien. D'autres fêtes? Yenaïr, c'est le nouvel an à Mézir. D'accord. Oui. Le 1er novembre. Très bien. Oui. Le 5 juillet. Le 5 juillet. Le 37. Français? À peu près. Le qui peut corriger votre camarade, c'est pas grave. Un mariage. Un mariage et ce qu'elle a dit. Je peux corriger ce qu'elle a dit. Les fiançailles. Très, très bien. Les fiançailles. Répète, j'ai appelé. Les fiançailles. Alors, ce sont des fêtes. Maintenant, observez cette image. Alors, il s'agit de quelle fête? Est-ce que c'est la fête du 1er novembre? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est un anniversaire? Il s'agit de quelle fête? Oui. Très, très bien. C'est la fête de Yenaïr. Très bien. Pendant la fête de Yenaïr, ce que je vais offrir à mes parents? Qu'est-ce que je vais offrir à ma mère? Qu'est-ce que je vais offrir à mon père? Je vais l'offrir quoi? Allez. On offre quoi? Oui. On offre des cadeaux. Très bien. On offre des cadeaux à ma maman, à mon père, à mon frère, à ma maîtresse. Je n'oublie pas surtout. Oui. Très bien. Alors, pour construire ce cadeau, j'ai besoin de coller quelque chose. Quelle est cette chose? Allez. Allez, et les autres? C'est quoi cette chose, Somaya? Une carte de vœux. Très, très bien. Applaudissez votre camarade. C'est-à-dire, à la fin, c'est-à-dire la première étape que je dois faire, c'est réaliser une carte de vœux. Alors, pour réaliser cette carte, à la fin, je dois apprendre des choses. Tout au long de cette séquence, on va apprendre comment faire une carte de vœux. D'accord? Oui. Très bien. Maintenant, observez cette image et vous allez me dire
quoi, où. Allez, qu'est-ce que je vois, Amria? Ma maîtresse. Très bien, une maîtresse. Très bien, il y a une maîtresse. Encore, assieds-toi. Merci. Il y a un, je ne le connais pas, c'est qui? Les enfants. Des enfants, d'accord. Il y a des enfants. Quoi? Un calendrier. Un calendrier. La date qui est écrite, c'est quoi? La date écrite, c'est quoi? Pardon. 11 janvier. C'est le 11 janvier. Très bien. C'est quoi aussi? Alors, c'est quoi? L'ingest. Une carte de vœux. Très bien. Il y a aussi une carte de vœux. C'est qui? Ce sont des élèves, ce sont des enfants, ce sont des élèves. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avant de commencer? Vous allez m'écouter bien. Je vais lire un texte. Qu'est-ce que vous devez faire? Sur les ardoises, vous devez répondre, préparer vos ardoises. Ça y est, vous êtes prêts? C'est bon? Très bien. Alors, les figures. Je vais écrire au moment d'expliquer. Vous devez le dire et m'écrire sur les ardoises qui parle dans mon texte. Qui parle dans mon texte? J'ai deux choix. Est-ce que c'est Yacine et Majid ou bien c'est Amira et Yacine? Croisez les bras. Écoutez attentivement. Ça y est, on écoute? Oui. Très bien. Alors, Amira est contente. Yacine, nous fêtons Yenaya à l'école cette année. Amira, c'est demain la fête. Je suis contente. Yacine, pour cette fête, je fais une carte. Amira, une carte. Yacine, oui, une carte de vœux du nouvel an à Majid. Amira, une carte pour qui? Yacine, j'offre cette carte à ma maîtresse. Amira, ah bon? Et tu fais comment? Yacine, je fais un dessin et j'écris un vœu. Amira, quel vœu? Yacine, bonne année. Alors, sur les arbres, ou bien c'est Amira et Yacine. Écrivez sur les arbres. Allez, vite. Qui parle dans ce texte? Qui? Est-ce que c'est Yacine et Majid ou bien Amira et Yacine? Ça y est? Oui. On est prêts? Faites vite. Levez les ardoises. Allez. Levez les ardoises, tournez. Très bien. Alors, qui parle dans ce texte? Qui parle dans ce texte? Qui? Rowan? Yacine et Amira. C'est Yacine et Amira qui parlent dans ce texte. C'est Yacine et Amira. Posez les ardoises. Effacez. Doucement. Maintenant, la question numéro 2. Écoutez la question. Alors, la fête de Yenaël. Alors, elle est fêtée. Quand? Hier, le 10 janvier. Aujourd'hui, le 11 janvier. Ou bien demain, le 12 janvier. Répondez. Thank you.
écrivez bien sur les adresses. Ça y est, levez. Très bien. Alors, la fête de Ninaël est fêtée quand? Passe au tableau. Quand? Passe-moi. Dis quand? 12. Demain, 12 janvier. Le 12? Le 12 janvier. Très bien. Montrez à vos camarades. Tournez. Corrigez. Très bien. Posez les ardoises et passez. Alors, la fête de Ninaya est fêtée quand? Est fêtée le 12 janvier. Demain, c'est-à-dire aujourd'hui, on est le 11 pour les enfants. Hein? Demain, on sera le 12 janvier. C'est bon? Oui. Très bien. Passons à une autre question. Maintenant, on va répondre par des cartes. On va écouter le texte pour la deuxième fois. Ça y est? Oui. Je vais lancer le texte pour la deuxième fois. Vous devez me dire une question pour chaque groupe, d'accord? Je vais donner une question pour chaque groupe pour gagner un peu du temps. D'accord? On va différencier les questions. La question numéro 1. On va fêter Yenel où? Où? Alors, est-ce que c'est à la maison? Ou bien à l'école? C'est la question pour le groupe des loups. La question numéro 2, c'est pour votre groupe. Alors, la carte de vœux, elle contient quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la carte de vœux? Est-ce qu'il y a un dessin et un vœu? Ou bien seulement une photo? Voici vos cartes. Alors, le groupe numéro 3. La question numéro 3 pour le groupe numéro 3. Alors, la fête de Yinaïr, c'est quoi? Est-ce que c'est la fête du Mouloud? Ou bien c'est la fête du Nouvel An? Amazir, c'est votre question. Alors, on écoute le texte, croisez les bras. Écoutez attentivement. Ici, tu croises tes bras. Rahman. Croisez les bras. Je répète le texte, écoutez bien. Amira est contente. Nous fêtons Yenaël à l'école cette année. C'est demain la fête. Je suis contente. Pour cette fête, je fais une carte. Une carte? Oui. Une carte de vœux du Nouvel An à Nazir. Une carte pour qui? J'offre cette carte à ma maîtresse. Et tu fais comment? Je fais un dessin et j'écris un vœu. Quel vœu? Bonne année. Répondez. Allez, en groupe, on travaille en groupe pour choisir la réponse. Et nous, tous ensemble. Doucement. Ça y est? Oui. Le groupe 2. Ça y est? Oui. C'est bon, les sœurs? Allez, les sœurs. Oui, les lions, c'est bon? Oui. Très bien, levez. Montrez-moi, pardon. Montrez-moi la réponse, levez bien la carte. Tournez la réponse. Très bien. Alors, le groupe 1. On va fêter Yenaya à la maison ou bien à l'école? Amri. Presque à l'école.
l'école. À l'école. Souligne la bonne réponse. Souligne la bonne réponse. Très bien, on va fêter Yenel à l'école. La question 2. La carte du vœu, est-ce qu'elle contient un dessin et un vœu ou bien une photo? Ayo? Un dessin et un vœu. Passe pour souligner la réponse. Très bien. Le groupe des lions. Allez les lions. La fête de Yenaïa, est-ce que c'est la fête du Mouloud ou bien c'est la fête du Nouvel An Amazir? La fête du Nouvel An Amazir. Très bien, souligne la bonne réponse. Alors, suivez avec moi. Maintenant, une question pour tous les groupes. Alors, sur la carte de Yacine. Yacine a écrit une carte à sa maîtresse. C'est une carte de vœux. Pardon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Qu'est-ce qu'on a écrit? Est-ce qu'on a écrit bonne santé, bonne fête ou bonne année? Qu'est-ce qu'on a écrit, Rahma? Bonne année. Bonne année. Coche la bonne réponse. Coche. Très bien. Question 2. Yacine va offrir une carte à qui? À sa mère, à sa maîtresse ou bien à sa sœur? À qui? Allez, quelqu'un qui n'a pas encore passé au tableau. Serjout, à qui? À sa maîtresse. Coche la bonne réponse. Laisse-la passer, pardon. Alors, maintenant, écoutez bien, qui est content? Qui? Est-ce que c'est Amira? Est-ce que c'est Yacine? Qui? Amira. Une phrase. Amira est? Amira est contente. Amira est contente. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va fêter à l'école? Pourquoi Amira est contente? Qu'est-ce qu'on va fêter? Oui, Nasri? On va fêter à l'école le nouvel an Amazigh. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Yacine? Quelle est la phrase de Yacine? Yacine a dit quoi? A dit quoi? Yacine a dit, nous fêtons Yanaël à l'école cette année. Très bien. Répète, Chakib. Nous fêtons Yanaël à l'école cette année. Très bien. Allez, allez, oui.
il a dit Yacine. Yacine a dit. Yacine a dit. Pour cette fête, je fais une carte. Très bien. Pour cette fête, je fais une carte. Romaïssa, répète. Pour cette fête. Pour cette fête, une carte. Allez, aidez votre camarade. Je fais une carte. Très bien. Oui. Pour cette fête, je fais une carte. Bravo. Pour cette fête, je fais une carte. Très bien. Toute la classe. Elle ne la connaît pas, très bien. Elle ne connaît pas la carte. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, Narjes? Une carte. Très bien, une carte. Nasrin, répète. Amira. Non, directement. Une carte. Une carte. Bravo, oui. Une carte. Très bien. Une carte. Oui. Une carte. Oui. Une carte. Très bien, toute la classe. Une carte. Alors, est-ce que Yacine a répondu à Amira? Est-ce qu'il a expliqué à Amira c'est quoi cette carte? Il a expliqué c'est quoi une carte. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, une carte de vœux. De quoi? De cette année. Non, du nouvel an à mettre. Très bien. Oui. Une carte de vœux du nouvel an. Alors, qu'est-ce qu'il doit mettre? Je fais
Un quoi? Un dessin. Un dessin. Et j'écris un vœu. Très bien. Je fais un dessin et j'écris un vœu. Ici? Je fais un dessin. Et? J'écris un dessin. Un vœu, pas un dessin. Rawan. Amira a dit quoi? C'est tout? Je vais laisser monsieur l'inspecteur. C'est lui qui va choisir. Monsieur? Allez, choisissez. C'est lui qui va vous choisir. Je me rappelle une chose. Ah bon? Allez, sous moi. Sous-moi. Ne faites un œil à l'école. Applaudissez. Avec les gestes, une chanson. Oui. Un grand cerf. Oui.